Et bonjour, c'est la semaine 32. Alors cette semaine, on va regarder ce qu'il y a. Alors pour commencer, du rap français. Alors Hugo TSR. Hugo TSR, c'est un rappeur du 18e arrondissement de Paris. Et ça, c'est son album de 2021 qui s'appelle Une vie et quelques. Encore Hugo TSR. Donc ça, c'est son album de 2008. Flaque de sample. Alors, ensuite, on a C-Sen. Également du 18e arrondissement de Paris. C'est un rappeur aussi. Bon, alors là, ils disent le nouvel album de la plume ambitieuse du rap français. Bon, en fait, il date de 2018 déjà, ce disque. Alors, je n'ai pas écouté, mais je vais le faire. Voilà. C'est Scène Vertige. Ensuite, nous avons Népal. Népal, le rappeur du 14e arrondissement de Paris, qui nous a quittés en 2019. Et ça, c'est son album posthume. Sorti en 2020, qui s'appelle Adios Bahamas. Ensuite, on passe au reggae français. Décidément, il y a beaucoup de reflets. Partout dans le magasin, où que je sois, il y a des reflets. En fait, il y a des lampes partout. Alors ça, c'est Dub Inc. Alors Dub Inc, c'est pas du dub, c'est du reggae. C'est un groupe français de Saint-Étienne, qui est un très bon groupe français, de reggae français. Ça, c'est leur album qui s'appelle Million et qui est de 2018. Alors là, nous avons encore du reggae français. Un groupe qui s'appelle Broussailles, qui est originaire de Mâcon en Saône-et-Loire. Et c'est un album de 2015. Bon, je ne l'ai pas encore écouté. Ensuite, nous avons encore du reggae français. Alors là, c'est Fat Babs. Fat Babs, c'est le beatmaker de Naaman, le chanteur de reggae de Dieppe, en Normandie. Et lui-même est originaire d'Avranches, dans le département de la Manche. Et ça, c'est son premier album, Music is for Kids, avec un nombre incroyable de featuring. Donc featuring, moi je les connais pas tous, hein, mais... Nae, Naaman, Moon Superchild, Raphaël Lacroix, Jaspi, MC Kour, Somti, Demi Portion, Generations, eux je les connais, ils sont excellents, etc, etc. Voilà. Ensuite, changement total de style. Can, le groupe psychédélique expérimental de Cologne en Allemagne. Ça, c'est leur album de 1972, Ege Bamiyazi, au Crashotten. Et ça, c'est un repressage de 2019 en vinyle vert. Bon, ensuite, on change de style. SMV. S pour Stanley Clark, M pour Marcus Miller et V pour Victor Wooten. Bon, en fait, ce sont trois bassistes qui ont fait un album en 2008 que je connaissais pas d'ailleurs. Et il a été réédité en vinyle pour la première fois en 2020. Il n'existait qu'en CD jusqu'à présent. Avis aux amateurs de vinyle. La même chose, Marcus Miller. Marcus Miller, originaire de Brooklyn à New York. L'autre jour, un client bassiste me disait qu'il avait une maison à côté d'Avignon. En fait, j'en sais pas plus. Et ça, c'est la même chose. C'est son album de 2012. Édité pour la première fois en vinyle la semaine dernière, en 2022.
Voilà. Ensuite, Massive Attack, le groupe de Bristol en Angleterre. Et ça, voilà. Alors, ça, c'est l'album de 1991, Blue Lines. L'album de 1994, Protection. Et l'album de 1998, Mezzanine. Et donc, c'est fini. D'ailleurs, tiens, je vous montre l'album de l'autre album de Ellie Goulding de Massive Attack, très rare en vinyle, qui est derrière mon comptoir là. Voilà. Et donc, c'est fini. Et à la semaine prochaine. Merci.